All right, thanks for coming. We're going to get started. Welcome to the 2024 DHS2 Annual Conference. And Alice and I will start by giving you some practical information. Bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue à cette conférence. Nous allons bientôt démarrer. Alice, bonjour à tous. J'aimerais commencer en vous donnant des détails pratiques par rapport à la logistique. Donc, tout le long de cette conférence annuelle, on aura les sessions dans les deux salles principales. D'abord, la plénière dans la salle Sophie Silius Auditorium, où il y a souvent la plénière. Ensuite, maintenant, pour les sessions parallèles, il y a Wilhelm Birknesius, qui est le bâtiment qui fait face au bâtiment de la plénière, juste à 1 minute de marche. Ensuite, il y a les auditoriums 1, 2, 3, 1, 2, 4 et 5. Pour la pause déjeuner, ce sera dans Frédéric Purding, qui est le bâtiment juste de l'autre côté. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des collègues qui seront là pour vous diriger. Alors, maintenant, par rapport à la pause café, ce sera dans le Sophisless Lobby Area. Et donc, ce sera les matins qu'on se retrouvera là-bas. Et dans l'après-midi, ce sera dans l'autre bâtiment qui est Wilhelm Birknesius. Donc, si vous avez des questions, sentez-vous libre. Et donc, il y a l'agenda également qui est disponible sur le site du DHIS2. Vous pouvez y avoir accès sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Maintenant, pour les autres informations, pour le Wi-Fi, si vous avez besoin d'Internet, vous pouvez vous connecter au réseau Conferences si vous avez le mot de passe qui est affiché. Donc, toutes les informations sont disponibles. Si vous avez besoin d'informations, demandez-nous, on va vous donner cette information. Maintenant, pour les sanitaires, il y a des toilettes au sous-sol. Donc, suivez les indications. Donc, vous pouvez facilement les retrouver. Donc, il y a les panneaux pour vous indiquer cela. Si vous avez besoin d'eau, je suis sûr que tout un chacun a des gobelets DHIS2 et vous pouvez aller chercher de l'eau. Et durant les pauses, vous avez de l'eau également disponible. Donc, voici le programme. Il y a les versions imprimées qui sont disponibles à l'extérieur. Commençons lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi. Et nous allons avoir des sessions plénières et des sessions en groupe, qui sont des sessions parallèles. Lorsque nous avons des pauses, nous allons nous retrouver ensemble pour échanger. Il y a plusieurs contributions, nous en avons 250, c'est un record. C'est des personnes qui vont participer aux présentations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a 119 orateurs, 76 sessions. Et pour cette année, il y a de nouvelles activités qui sont introduites également. Les mardis et les mercredis, nous allons commencer à 8h30 avec des compétitions. Il y a des questions également. Il y a la communauté de pratique. Nous nous retrouverons à l'heure pour se joindre à toutes les activités. Donc, voilà le site du DHIS2 qui est affiché à l'écran, dac2024.dhis2.org/programme, etc. Donc, maintenant, pour le téléchargement de l'application, voilà également les informations qui sont disponibles à l'écran. Vous avez également les informations sur les programmes.
Et il y a une chose à savoir, c'est que tous les détails sur les sessions sont disponibles également en ligne. And we're also using community practice pretty extensively this year. So this is Donc, something you can do both as an online participant and as an il y a in-person. la communauté de pratique également. Vous pouvez avoir accès sur le site. Lorsque vous y allez, vous verrez DAC 2024 et ça vous permet d'avoir toutes les informations par rapport à la diffusion directe des sessions plénières, les documents qui sont acceptés pour cette conférence, les questions, etc. Vous pouvez lire par rapport aux différents sujets que nous allons aborder, etc., pour vous en imprégner. Il y a également les liens pour suivre les sessions plénières en ligne. On fera plusieurs activités le mercredi également. Donc, vous allez gagner des prix si vous participez aux différentes compétitions. Il y a des compétitions également dans la communauté de pratique. Il y a des trois finalistes pour la compétition des applications. Ils vont présenter leurs produits le jeudi et auront leur prix. Donc, maintenant, il y a un peu plus de 300 personnes qui sont connectées en ligne sur Zoom. Donc, vous êtes la bienvenue et maintenant, les informations sont disponibles par rapport à l'agenda en ligne. Et nous assurons que toutes les informations sont disponibles à chaque fois pour toutes les sessions. Alors, il y a l'interprétation en français qui est disponible en ligne également. Vous cliquez sur le globe et vous cliquez sur l'interprétation en français. Alors, il y a l'interprétation en français qui est disponible pour toutes les sessions plénières et pour des sessions parallèles. Pour avoir accès à l'interprétation, ce sera via la réunion Zoom en ligne. Donc, ceux qui ont indiqué qu'ils sont des orateurs francophones, on leur a donné les indications pour qu'ils sachent comment avoir. Si vous voulez bénéficier de l'interprétation, que vous soyez là avec nous maintenant à Oslo ou alors en ligne, c'est très simple. Vous avez normalement reçu un email de ma part avec les liens Zoom pour chacune des sessions. Donc, dans la matinée, toutes les sessions plénières sont disponibles en français, interprétation en direct en français. Par contre, dans l'après-midi, ce sera une sélection de sessions parallèles. Vous pouvez les reconnaître sur l'agenda parce qu'elles ont la mention anglais vers français à côté du titre. Et j'ai également envoyé la liste de chaque session à tous les membres de la communauté francophone qui participent à cette conférence. Donc c'est très simple, vous cliquez sur le lien Zoom, vous serez dirigé dans la session Zoom, vous verrez un globe, vous cliquez sur le globe et vous sélectionnez français. Et de ce fait, vous serez directement basculé vers la salle française où vous pourrez entendre les interprètes. Et les présentations en français. Donc voilà, très simple. Merci. Oh yeah. And we have another important component of the annual conference Et are the une composante importante, c'est we la have a selection of galerie en projects ligne. Donc, made il y available a in your des presence and we really encourage each of you to go to the posters qui sont conference disponibles sur la communauté de pratique DAC 2024. et vous pouvez However, cliquer sur le lien que vous voyez à l'écran et vous aurez accès à tous les projets qui ont été soumis par les partenaires. Et il y a également une autre activité qui est très importante, c'est la présentation des posters. C'est un peu comme le Use Case Bazaar que nous avons d'habitude, mais cette année, ce sera chaque jour de lundi à mercredi. Aujourd'hui, ce sera de 16h à 18h, mais mardi et mercredi, c'est de 16h à 17h. On vous permettra de découvrir plusieurs cas d'utilisation qui diffèrent de ce que nous connaissons d'habitude.
Donc, ce serait dans le bâtiment Vignes. Donc, vous avez la possibilité d'aller vers un poster ou un autre pour voir ce que les autres sont en train de faire. La liste des prises d'assurance pour chaque jour est disponible dans l'ordre du jour, le programme, pour pouvoir voir quels sont les posters du jour. Donc, ça vous permettra de savoir là où vous voulez vous rendre. Et également, dans la session, vous avez les soutiens dans plusieurs domaines, donc dans des différents bâtiments, il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez aller dans l'ordre du jour pour voir les différents sujets à aborder. Il y a des sujets très pointilleux, spécifiques qu'on aurait. Et le mardi, on va parler du tracker et de données agrégées. Et le mercredi, on parlera des données du climat d'abord. On parlera des outils du DHIS2, etc. Donc, veuillez vous assurer de voir l'ordre du jour et le programme pour ne pas rater les sessions qui vous intéressent le plus. Une chose encore, durant la session de réseautage, il y aura des boissons et des apéritifs. Aujourd'hui, ça va commencer à 16 heures dans le bâtiment Vignes. Alors, j'aimerais dire quelques petites choses supplémentaires. Donc, il y a des caméras aussi à l'extérieur qui peuvent vous encourager à donner votre avis sur les participations, la conférence en général. Donc, sentez-vous libre de dire ce que vous avez à l'esprit. Donc, nous vous encourageons tout un chacun. Donc, mes collègues et moi-même, vous pouvez également nous envoyer des mails sur l'adresse électronique que vous voyez en bas de l'écran, juste devant vous. Donc, nous sommes disponibles en tout moment pour vous. Je crois que ici, c'est Alice qui doit prendre la parole. C'est ma partie favorite. Le jeudi, on va célébrer le 40e anniversaire du HISP, le 30e anniversaire du HISP ici. Ce serait une soirée remplie de discours et de sélection de nourriture, de boissons des différents pays. J'aimerais dire que mes frères africains, je vous ai entendu et j'espère que vous allez nous faire de bonnes présentations. Il y aura également des performances dans le domaine de la musique. Donc, vous voyez, Admiral P, c'est un musicien du reggae raga ici en Norvège. Nous serons heureux de l'avoir. C'est une soirée de célébration. Et le dernier point, c'est l'aspect imprévisible du climat. On croise les doigts qu'il ne pleuve pas, mais ne vous inquiétez pas. On compte sur vous pour que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Nous comptons vraiment sur vous. Et avant la célébration qui va commencer à 16h30, à 16h, nous aurons notre photo de groupe traditionnelle. Généralement, c'est lundi, mais cette fois, ce serait le jeudi. Assurez-vous de vous joindre à nous à 16h pour la photo de groupe. Et il y a l'expérience que vous avez eue ici à la conférence annuelle 2024. Donc, on va prendre des photos de tout un chacun et comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre des photos pour partager vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Cette année, vous avez le code QR qui est très pratique. Vous allez le voir sur les tables. L'idée, c'est que quand vous prenez une photo, vous scannez le code QR et ça vous permet de pouvoir mettre votre réseau en ligne via le code QR. Alors,
Ne soyez pas timide, prenez vos photos. N'hésitez pas à prendre vos photos sur le portail DHCSU, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. La seule chose qu'on aimerait que vous ferez, c'est de ne pas oublier de mettre hashtag DAC 2024 pour qu'on puisse facilement retrouver vos photos sur les réseaux sociaux. Et on va essayer de prendre les meilleures prises pour les afficher lors de la cérémonie de clôture. Super. Donc maintenant, ici, c'est un aspect très important également. On essaie de donner des prix à certains d'entre nous ici, ceux qui participent à la compétition. Et il y a également des prix que vous pouvez gagner en participant de manière active dans le conférence, en partageant vos observations, vos commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à votre expérience, partager les photos. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le jeudi, on aura le mot de fin et nous espérons que vous allez nous aider à avoir du plein succès à cette conférence. Si vous avez des questions, donc Alice, c'est la personne qui est derrière cette conférence. Vous lui posez vos questions sur Oslo 2024 @DHS.